dans notre localité, comme presque dans le Sahara ou le Sahel, le changement climatique a des impacts souvent dangereux pour les populations et les bétails. Parce qu'on assiste à des sécheresses qui conduisent à la perte des bétails pour les nomades. Et c'est que la source même de la vie des nomades, c'est son bétail. Et on a aussi le tarissement des points d'eau, parce que dans un changement de climat, il y a beaucoup de facteurs qui surviennent. Par exemple, la sécheresse dont on a parlé, le tarissement des points d'eau, qui conduit aussi à l'exode, à l'émigration des populations vers d'autres zones. Nous les remercions vraiment pour la mise en place d'un point d'eau pérenne qui permet non seulement aux populations de s'approvisionner en eau, mais aussi leur bétail. En plus de cela, certains habitants ici du village ont commencé à faire des petits maraîchages qui permettent non seulement de subvenir à certains besoins familiaux, mais aussi à reconstituer des bétails. Parce que quand on fait les petits maraîchages, il y a les résidus, les pailles qui restent, qu'on enlève des légumes et les fruits là, ces pailles-là sont stockées pour nourrir les petits bétails, les petits ruminants à la maison. Nous ne pouvons que remercier Solidarité et ses partenaires Kamer ici à Kidel et en général son bailleur Ofda qui permet le financement de ces projets-là